Non, 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 discutez. Non, ah bordel, excuse-moi, je suis débarqué, on est recherché par tout le monde. Oh bordel, vite, vite, bah, écoute, on peut aller sur le bateau là-bas, sur le bateau. Oh bordel. On a un problème, on a un problème, Puto, il a pété les plombs. Quoi ça, il a pété les plombs? Il a pété les plombs sur Anderson encore et on va finir en tôle ou on va se faire fumer par tes putains de collègues. Je vous en prie, est-ce que tu peux nous trouver un bateau? Ah oui. Ok, mais tu m'en prends encore une là. Oui, oh. On fera ce que tu veux, J'ai 2 millions de dollars sur moi. Combien? T'as 2 millions? Oui, j'ai une mallette avec moi, et tu viens et je te la donne. Ok, j'arrive. A tout de suite. Tout de suite. Jackson qui m'appelle. Oh mon dieu, t'as fait 2 millions de putain de dollars sur toi? Non, c'est pas vrai. Mais pour qu'ils viennent? Comment? Plus de solution, Maya. Je suis obligé de partir. Oui, ça va très bien, mais... Non. Je vais finir en fédéral. Bon, je t'explique vite fait, mais Dave... Où les gens... Tu vas partir loin de Amaya. Où Calvin va nous tuer. Ses amis vont nous tuer. Calvin. Oh, j'ai pas pensé à l'été une troisième fois, hein. Mais 2 millions. Calvin. Oh mon dieu. Oh mon dieu, monsieur Fromer, mais non. Mais pourquoi vous faites Calvin. Ça À cause de toi, on est en train de se barrer de... On est obligé de se barrer de cette putain de ville, Calvin. Oh bordel, monsieur Fromer, vous êtes vraiment un poté. Ah, si je te retrouve, je vais te buter. Oh mon dieu, monsieur Fromer. À cause de toi, putain d'enculé de Calvin. Alors Calvin, je vais te le dire simplement et sans passer par derrière. Ou t'essayes de nous trouver une solution pour que tout le monde abandonne ses poursuites. Je parle de tes amis là qui nous fument pas. Nous on gérera Anderson, t'inquiète pas. Mais ou tu trouves une solution pour que tes amis nous permettent de revenir en ville, qu'on risque pas la police et l'arrestation. Ou je te retrouverai, je te jure que je vais te fumer. Oui. Est-ce que c'est clair, Calvin? On veut pouvoir revenir à Los Santos! En même temps, monsieur Fromer, c'est peut-être la meilleure solution, c'est qu'ils finissent dans l'eau. Oh, pigeon derrière! Regarde le pigeon derrière! Casse-toi! Le pigeon! Casse-toi! Aïe! Hey, oh, Martel, il vous a foutu un coup! Il m'a défoncé! J'ai jamais entendu parler de ce bed là, Coco Peyoyo! Oh, attention! On se fait tirer dessus, putain! Ah bon, mais par qui? J'ai le bandit de assassiner. Parlez plus fort! Descendez de là. Oui, monsieur. Oh mon dieu. Ah, oh yeah. Aïe, oh, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites là? Vous arrivez comme ça là avec le bateau là? Non mais où? On est désolé, oui. Monsieur. Disons, c'est qui ça derrière? Venez vite là, s'il vous plaît. Petite interpellation là. Il y a deux individus un peu bizarres là qui viennent d'arriver sur le Cayo Perico. Putain! Poteau, je vous ai dit que c'est mauvaise idée! D'aller à Pispi Cayoco là! Écoutez, je vais être sincère avec vous. On a des problèmes avec monsieur Anderson, le gouverneur de Los Santos. Et il veut nous mettre en prison fédérale, alors on a pris la fuite. Voilà. Le gouverneur de Los Santos, écoutez, on va les interpeller, on va les ramener dans la maison du gouvernement, on va voir avec eux. Que vous pourriez peut-être appeler monsieur Anderson pour leur montrer comment le gouverneur parle de nous, peut-être. Soit crédible quand même. Oui, monsieur Dave Anderson. Oui. Oui, vous entendez, ça va, vous allez bien? Oui, écoute Marcel, je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la première, enfin hier, de te menacer. Non, cette fois, je vais te parler très poliment. Et interprète mes propos comme tu veux. Hier, t'as menacé ma famille, tu m'as braqué, c'est pas vrai ça! Non, c'est pas vrai, monsieur Demers. Laissez-moi terminer. Ce soir, vous avez commis l'irréparable. Braquez mon enfant devant moi! Quoi? Non, calmez-vous, mais monsieur. C'est pas vrai du tout ça, mais il faut aller voir un docteur, monsieur Anderson! Ah oui, monsieur Dave Anderson. Je vous promets sur mon honneur de gouverneur que vous allez voir à quoi ressemble une cellule, mais en étant à l'intérieur de la cellule. Oh mon dieu, Dave Anderson. Il est complètement fou, il est en train de péter les plombs, quoi. Bon. Mais on dira pas qu'on est là, on dira personne, c'est juste qu'il nous retrouve nous retrouve sur le Santos, on est mort. D'accord, mais alors D'accord, mais vous avez quoi à m'offrir en contrepartie, parce qu'on vient pas ici pour l'exil. Gratuitement. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Moi, j'ai... Vous avez de l'argent? De quoi? Vous avez de l'argent? Monsieur Fromer a beaucoup d'argent. Oui, monsieur Fromer a beaucoup d'argent. Allez-y, Fromer, payez. J'ai dit que vous l'auriez pris en otage. Quoi? Et que Marcel Poudou aussi.
Et alors, je confirme le fait qu'il vous a menacé par téléphone. Il me l'a montré, donc ça, je sais, il l'a confirmé. Par contre, du coup, moi, je voulais savoir votre version sur le fait de est-ce que vous l'avez vraiment. En fait, il m'a dit que vous lui avez donné rendez-vous à un endroit. Attendez, à cet endroit, attendez, madame. Vous étiez... je veux bien écouter votre histoire. Vous êtes en train de dire que moi, j'aurais donné rendez-vous à monsieur le gouverneur qui serait venu tout seul au rendez-vous sans garde, c'est ça? Oui, parce que, bah c'est parce que vous êtes que en train de me dire que je l'ai kidnappé déposition. Ou braqué ou je sais pas quoi. Et qu'il y aurait que monsieur Anderson qui soit témoin de ça. Et que moi j'ai braqué monsieur le gouverneur. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous vous rendez compte de la folie de cette histoire? Bah oui, bah. Allez, il m'a dit comme quoi vous aurez donné rendez-vous à un endroit. Vous l'aurez pris avec vous. Vous l'aurez emmené à un autre endroit avec Marcel. Et ici, vous lui avez fait des menaces. Vous lui avez proféré des insultes très graves et ensuite vous l'aurez relâché. Se fait-il que un adversaire d'une élection te donne rendez-vous et que tu y ailles seul? C'est pas normal. Je pense que le ministre de Caillou. Je crois qu'on a eu la même interrogation, madame Pierce. Ça va. Faut ça que t'arrêtes de m'appeler comme ça, de m'harceler. J'ai une vie moi aussi. Hein. Non, ben attends, viens, suis-moi, on va faire un petit tour. Alors, on va se promener? Je me doute bien qu'un mec comme moi, je te manquais, Baron, mais comme je te le disais, tu sais, moi j'ai une vie aussi et je peux pas être à ta disposition. Enfin, Baron, je veux dire. J'entends bien, tu vois. Mais donc, quand je te dis de venir maintenant, c'est que c'est maintenant. C'est une question. Je sais, mais tu m'as pas dit, tu aurais pu me dire, c'est une urgence, j'ai un problème, ça va pas, tout ça. Moi je t'aurais consolé, je comprends, Baron. Tu veux que je te dise au téléphone que c'est une question de ta vie ou de ta mort? Et puis bon, j'ai mon équipe, tout ça, qui m'explique qu'il y a des contrats qui tournent. On regarde les contrats et je tombe sur quel contrat? Contrat, 1 million, Mickey Von Mer, pour avoir tué son enfant. Non mais alors le coup, je partais tout seul. Enfin, je veux dire que on a, c'était comme qui dirait par hasard, quoi. Si on résume la situation, tu peux être considéré comme un homme mort, tu vois, ok, déjà, mm-hmm. Et tu vaux 1 million. D'accord. Comme je t'ai dit, les gens sont au courant pour le contrat. Donc si c'est pas moi qui m'en charge, ça sera quelqu'un d'autre. Et eux, ils auront pas de scrupules à te tuer directement. Je vais te laisser le choix. Je vais te laisser le choix, tu vois, de t'envoler avec ton parachute et de soit atterrir avec nous, soit prendre ton chemin. Sache que si tu prends ton chemin, à partir de ce moment-là, je sais que tu as décidé de pas aller dans mon sens et donc là, si je t'attrape, je te tue. Si elle t'attrape, par contre. Mais si je reste avec vous, vous allez pas me tuer? Ah bah non. Par contre, et comprends bien, ça veut dire que si moi tu restes avec moi, ça veut dire qu'il y a un contrat que j'ai pas honoré, ça veut dire que derrière il faudra que je m'explique. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on voit ta tête nulle part dans la ville, quoi. Surtout pas en ville. Mais ça veut dire quoi? Voilà. Ce que tu veux dire, c'est de me cacher? Oui, c'est de te cacher dans le nord, tu restes dans le nord. Aïe! Ah putain, je l'ai fait! Je l'ai fait! Baron! Ah! Je suis là, je suis pas parti. Okay. Non, tu vois, regarde, ça veut dire que t'as fait le bon chemin, tu vois, et qu'au final, t'es en plus en vie. Ah, y a pas de soucis. Mais là, je vais récupérer mon téléphone, tout ça. Non, t'as vu que tout Mais si je sors dans la rue, les gens ils me reconnaissent, que comment je fais? Ils te reconnaissent, il se passe quoi? Ils vont te dire quoi? T'as perdu ton téléphone. Non, mais d'accord, mais si quelqu'un me reconnaît dans la rue, tu crois qu'il va falloir que je change de coupe de cheveux? Ah bah non mais là déjà tu vas pas te balader dans la rue sans nous avoir prévenu. On va changer ton look, ta tête, ta barbe, ton cuir. Putain. Tu crois qu'honnêtement on change juste ton téléphone et qu'à côté on va te laisser comme ça pavaner et te balader? Mais Mickey, t'as pas compris quoi. Alors que ça te va le changement, c'est bon, on me reconnaît plus, je suis tranquille.